Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, édition-ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge Audio. Ah non, Binge. Bonjour. Je suis Thibaut. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de garer mon vélo en haut d'une montée. On est en plein centre-ville de Rouen. Et je vais rejoindre Julien, qui a un potager un peu particulier. Son idée du potager m'intéresse beaucoup parce que il en parle comme un potager qu'on observe. Passe plus de temps à faire des observations qu'à agir. Et en fait, c'est un discours qu'on entend très souvent dans le milieu du jardinage. Mais en vrai, quand on regarde ce que font vraiment les gens, ils agissent beaucoup et on ne peut pas s'en empêcher de mettre les mains, de biner, d'arracher, de transformer. Alors il paraît que lui, il le fait vraiment et ça m'intrigue. Je m'approche de chez lui et je vais pouvoir sonner. Bonjour Julien. Bonjour Thibaut. Enchanté. Enchanté. Je t'en prie, entre. Merci. Je peux tutoyer? Ah ben, on peut se tutoyer si tu préfères. Avec grand plaisir. On entre, on arrive directement dans le jardin. Oui, on entre. L'aspect, moi, qui m'a plu dans la maison, c'est que, tu vois, quand tu rentres, la route, elle est plus là. Tout est fermé, tout est clos. Il y a plein de petites dépendances. Et puis, du coup, on est dans le jardin. Alors, il y a quand même les bruits de dehors. Mais j'aime bien pouvoir me retrouver dans ce petit huis clos. C'est ton coin de nature? C'est mon coin de nature, ouais. Un petit café, peut-être, je sais pas. On commence direct. Avec plaisir, c'est ce que, comme toi tu préfères, si tu veux faire d'abord un tour du jardin. Ouais, ou... Je suis en train de le prendre. D'accord, et je te rejoins alors. Merci, ça t'embête pas si on se met dehors, même ah si non, c'est un plaisir. Peu de fait... la voilà. Chance, même si là ça s'est couvert, mais c'est dommage parce que justement, avant que tu arrives, je me disais, ça va être un des trucs que je vais pouvoir dire. Ici, une des particularités, c'est qu'on est dans un jardin qui est à l'ombre. Et un jardin qui est sur une colline, mais côté nord. Donc, microclimat qui n'est pas très bon, on va dire. Enfin, en tout cas, d'un point de vue jardinage, c'est pas très bon pour l'idée du climat. Mais tu vois, ça pousse quand même. Moi, je m'appelle Julien Bréjot, s'il faut le nom. Je suis enseignant, professeur de mathématiques. Donc, moi, je suis arrivé ici il y a 6 ans. À Rouen, il y a 10 ans, même 11 ans, mais ici, dans cette maison, il y a 6 ans. Et le jardin, j'ai découvert, donc on peut dire que c'est la 3e, 4e année que j'y suis vraiment, je suis vraiment dedans. Et ma pratique du jardinage a, on va dire, beaucoup évolué avec le temps, justement, à cause des contraintes qu'il peut y avoir, de différentes choses comme ça, et puis aussi de ma façon de vivre qui m'est personnelle, quoi. Moi, j'ai commencé par vouloir me dire, le jardin, je vais faire des légumes, je vais faire des choses pour pouvoir manger. Et du coup, m'apercevant que certaines choses marchaient, mais d'autres beaucoup moins, j'ai changé petit à petit ma pratique et je cherche maintenant de plus en plus. Au départ, j'ai cherché à laisser monter en fleurs pour récolter les graines, des choses comme ça, du coup. Et petit à petit, je m'oriente plutôt vers un jardin, entre guillemets, du non-agir. Un jardin un peu contemplatif, en fait, où je vais laisser pousser les légumes, les laisser pousser jusqu'à leur fin de cycle. L'idée, c'est d'avoir un espace où la nature, finalement, même si j'interviens un petit peu quand même, la nature puisse s'exprimer et m'étonner, en fait. Comment ça t'est venu? Est-ce que... Depuis que tu es tout petit, tu as un lien avec la nature et le jardinage? Ou est-ce que c'est plus récent? Est-ce que c'est... Mon grand-père, dans la Manche, était paysan. Donc j'ai un lien assez fort avec ça, puisque je passais quand même quasiment toutes mes vacances là-bas. J'ai vécu à jouer dans les foins, j'ai vécu à ramasser les pommes pour faire le cidre, des choses comme ça. Et mes parents, eux, sont partis en région parisienne, donc là, lieu... qui se prêtent moins, on va dire, à la paysannerie, mais ils ont toujours eu un jardin assez grand qui fait à peu près 1000 mètres carrés et dans lequel il y avait un bon tiers qui était potager. Et dès tout petit, ils nous avaient, je me souviens, réservé un petit triangle du terrain sur lequel on plantait ce qu'on voulait. Et j'ai quand même vécu dans une ville, j'ai quand même vécu... Enfin, j'avais pas la terre dans les mains tout le temps, quoi. Je viens de voir un petit oiseau qui est passé. Oui. C'était quoi? Au pipip comme ça, et puis actuellement, je pense que c'est une mésange. Mais il y a beaucoup d'oiseaux qui passent dans le jardin. Et puis là, d'où venait le bruit, il y a eu un nid avec un
troglodyte mignon. Alors ça, c'était vachement sympa comme moment parce que ils ont fait des petits. Et donc, un jour, j'ai vu sortir les petits un par un, aller se poser sur le petit toit à côté. Pour la petite anecdote, le troglodyte, le mâle, va faire à peu près 5 nids. Et c'est la femelle qui va choisir le nid dans lequel elle va couver. Je t'ai même pas demandé, est-ce que tu peux me décrire la taille du jardin? La parcelle fait 260 mètres carrés. Et tu as vu qu'il y a deux maisons, un atelier, un garage à vélo. Donc il y a plein de petites dépendances. Et en plus, c'est étagé. Donc on est dans un jardin dans lequel c'est pas très facile de savoir comment trouver de la place pour mettre des choses. Et justement, il faut un peu d'imagination, faut faire pousser les courges sur les murs. Les courges qui sont pas sur les murs là-bas, là t'arrives pas à la bonne saison pour ça, mais je mets des gros bouts de bois là qui servent aussi aux oiseaux pour se poser. Et puis en fait, simplement on met une ficelle et puis quand la courge elle commence à courir, je prends la courge, je la soulève, je l'accroche à la ficelle et je la fais monter comme ça le long de la ficelle. Donc comme ça, je gagne de la place. On va faire un petit tour. Alors ça, c'est le premier endroit où j'ai commencé à planter. Je m'intéressais déjà un petit peu à la permaculture, mais je savais pas du tout ce que c'était. Cette année, ça a été entre guillemets ma butte sauvage. J'ai très peu planté dedans. Je l'ai laissé un petit peu faire toute seule pour voir un peu ce qui se ressemait, ce qui apparaissait, ce qui disparaissait. Par exemple, la roquette, c'est un légume qui est très facile à cultiver, qui se ressème tout seul. Et donc j'en ressème plus parce que y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette butte? Il y avait des pommes de terre qui, pareil, se ressèment un petit peu toutes seules. Il y a un chou aussi là qui prend un peu toute la place, mais je les laisse faire. Le chou, quand il arrive en fleurs, c'est très joli. Il y a plein de petites fleurs jaunes ou blanches dans le cas de celui-ci. Là, on va avoir. Alors, j'essaye aussi au maximum petit à petit de mettre des vivaces. Une vivace, c'est à l'inverse d'une plante annuelle qui meurt chaque année et qu'il faut ressemer ou replanter. Une vivace, ça meurt pas, c'est ça? C'est ça. La vivace, elle peut durer des années. Alors, ça dépend bien sûr de quel type de vivace. Hein. Un arbre, c'est vivace et ça peut durer 500 ans. Là, dans le cas d'un chou comme là-bas, le chou d'Aubenton, ce sera peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. J'ai ici un beau spécimen de poire de terre qui fait partie des légumes qu'on connaît pas trop en général, que je ne connaissais pas non plus. Donc l'idée tout à l'heure, c'est de le déterrer et de voir ce qu'il y a dessous. J'aime bien ce mystère, on va voir tout à l'heure. Ça c'est justement des adventices, hein. Donc les plantes, les fameuses mauvaises herbes. Ça c'est de la mercuriale. Ça envahit tout, c'est des plantes qui aiment bien vivre ensemble. Donc une fois qu'il y en a une, hein, là il y a les petites graines, elles sont pas encore faites mais elles vont se faire. Ça va se ressemer, il va y en avoir partout. Alors c'est pas gênant en soi parce que ça fait des racines très courtes, donc on peut les enlever très facilement s'il y a besoin. Les mercuriales vont presque être en graines là, donc en fait elles sont sur le point de se ressemer partout. Il y a 99% des jardiniers qui se jetteraient sur la plante pour les enlever, et pas toi. Comment ça se fait que toi tu l'enlèves pas? Parce que si elle est là, c'est sans doute pas pour rien. Et que elle a autant le droit que les autres d'être là. Je veux dire, c'est mon jardin, c'est mon jardin, ça veut dire quoi? Tous les animaux, toutes les plantes qui vivent ici, c'est aussi leur jardin. L'intérêt de toutes ces plantes, c'est qu'elles font un couvert végétal aussi. Plutôt que de couvrir en mettant du paillage ou des choses comme ça, je me suis dit, on va vraiment tout laisser. Et puis, c'est la plante, les plantes, qui elles-mêmes vont faire office de protection naturelle des sols. Ok, donc c'est plus une mauvaise herbe, c'est ton allié en fait. C'est ça. On peut parfois, je pense, me qualifier de quelqu'un d'un peu extrémiste, mais que de mon point de vue à moi, c'est ce qui se passe autour de nous qui est extrémiste. Voilà. Dans quel sens tu serais extrémiste alors? On parle beaucoup de bien-être animal en ce moment, mais moi je pense aussi au bien-être végétal. Je pense que les plantes ont une sensibilité, ont quelque chose. Le mot sensibilité est peut-être pas le bon, mais disons que quand je vois une plante maltraitée, ça me fait du mal aussi, par exemple. Et tu parles de végétaux qui souffrent. J'ai pas regardé si les arbres qui sont dans la rue, ils ont bien la place pour faire des racines dans le sol ou si c'est un trottoir. Non. Là, les platanes en face là vont bien et puis ils sont là depuis longtemps. Comme tous les arbres, ça c'est quelque chose qui manque dans notre monde, hein, le fait de voir à long terme. Et l'arbre, lui, il voit à long terme forcément. Il t'inspire là comme ça, au-dessus de nous, ces arbres? Ouais, je suis très content qu'il soit là. Quand on est ici, là, sur la terrasse, le jardin est un peu étagé parce qu'on est sur une colline. Là, on est sur la terrasse. En face, on a le jardin. Après, on a un mur qui fait à peu près 3 mètres de meulière.
Derrière, on a donc ces platanes avec un autre mur qui délimite le cimetière. Puis encore au fond, on a encore une ligne d'horizon sur ces arbres qui forment une petite forêt. Tous ces étages, ça me plaît. Ça, c'est du radis, donc qui est monté en graines. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup plus que 100 graines. En dessous, là, on a un chou rouge. Celui-là, je ne le récolterai pas parce qu'il est, tu vois, la tête est un peu petite. Là, on a plein de fleurs, cosmos, le poireau aussi. Ça, c'est superbe quand on laisse un poireau monter en fleurs. Donc là, il y a du maïs. Ouais, il y en a encore sur celui-là. Là, il y en a encore deux, trois. La haie de framboisier. Quatre types de framboisiers différents récupérés petit à petit. C'est le ver de terre, ouais. C'est le ver de terre qui plonge dans le sol et puis qui va aller chercher les cellules rumex que tout le monde enlève. Ah ouais, j'avais jamais vu le rumex monter en graines en fait. Donc les tomates, j'en ai eu jusque là. Là, celles-là, elles donneront plus rien. Mais j'ai récupéré une idée de mes parents, que je salue, qui récupère les tomates donc à la période où c'est la fin. Rentrer dans la cave. Donc là, on est sous chez le voisin. Et j'ai enlevé toutes les feuilles et puis je les ai pendues dans la cave. Et tu vois, elles continuent à mûrir dans la cave. Là, il y a 1, 2, 3, il y a 6 ou 7 pieds de tomates. Donc ouais. En fait, qui sont la tête en bas, sans feuilles. C'est ça. Et on voit chacune, parfois une dizaine, parfois plus de petites tomates qui sont en train de rougir. Donc il y a toutes les couleurs. C'est vrai que c'est joli en plus. Alors, ce ne sera pas le goût de la tomate en plein été. Forcément, mais avec ça, on peut avoir des tomates jusqu'à Noël. Okay. On va récolter la part de terre. Ouais. Je suis pas sûr, je crois. Je vais commencer par enlever un petit peu tout ça. Laisser dans le coin parce qu'après je le remettrai par dessus, hein. Je suis comme toi, je découvre, hein. Je regarde un petit peu, je fais des racines pour l'instant. Donc là t'as enlevé toutes les feuilles, toutes les branches, ça a monté assez haut. Tiens, tiens, regarde, c'est quoi ça? Ça ressemble à un tubercule, hein. Hop, les dernières feuilles. Maintenant on va regarder dessous. Ça fait combien de temps que t'attends? Ça a été planté cette année, hein, donc c'est pas vieux. En fait, elle a été très très belle. Elle m'a vraiment fait un buisson qui faisait 2 mètres de haut, de large, avec des très belles feuilles. Donc j'ai l'espoir. J'avoue que cette année, j'y aurais pas touché si t'étais pas passé. J'aurais laissé faire et j'aurais attendu l'année prochaine. Mais j'ai quand même l'espoir qu'il va y avoir quelque chose dessous. Par contre, ça c'est la souche, tu vois, je pense que la souche, il va falloir que je la remette justement. Voilà les poires de terre. Il y en a pas mal. Puis mon fils revient tout à l'heure, donc on va pouvoir goûter ça ensemble. Donc là, il y a une dizaine de... Ça ressemble un petit peu à des poires un peu longues. Ouais, c'est vraiment allongé, ouais. Et ça va se manger comme des pommes de terre, j'imagine. Ça va se manger, je pense, comme des pommes de terre. Tu vois, ça, c'est dommage que je casse ça, par contre. Alors, voilà une qui est plus arrondie. Et je pense que je vais en mettre... là, il y a le pied, je vais le remettre là. Pour éviter qu'il gèle, je vais le couvrir un petit peu parce que là, il n'y a pas trop de couvert végétal à cet endroit-là. Et je pense que je vais garder un des tubercules que je vais mettre à la cave pour voir si en replantant l'année prochaine, ça va mieux marcher. Mais je t'avouerai que je préférerais que ça pousse tout seul. Donc j'espère que ceux qui sont sur place vont déjà réussir à repartir. Je suis content. Écoute, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 petits tubercules, plus ceux qui vont rester dans le sol. Je vais en garder, je te dis, 2, 3. Donc le reste, on va le manger ce soir. Une purée, peut-être, ou... Oh non, non, je préfère la purée. J'aurais pas la texture avec la purée. Ouais. Vu que je connais pas, j'ai plus envie d'essayer soit vapeur, soit rissolé dans une poêle. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis là, regarde, on va récupérer toutes les tiges. Puis ça va nous servir à le protéger pour l'hiver. Et lui redonner éventuellement les choses qu'il avait prises à la terre. Le côté challenge aussi du jardin, c'est que on fait des essais-erreurs, hein, comme dans tout. Mais dans le jardin, l'essai-erreur, quand on veut retenter, c'est au moins un an après.
Donc faut être patient. On a le temps de mûrir et de réfléchir à pourquoi on s'est trompé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ouais, on a même le temps d'oublier des fois ce qu'on a fait. Alors j'essaie de noter, mais je suis pas quelqu'un de très rigoureux. Certains diront c'est dommage pour un prof de maths. Et souvent je note d'une manière très approfondie en début de saison. Et puis au fur et à mesure de la saison, il y a plein de choses que je note plus. Donc là, il y a 15 cm de végétaux qui vont protéger la poire de terre. T'as l'air de bien aimer goûter aussi. Donc ce qu'on peut essayer, c'est d'en prendre un petit là, de gratter un peu et de goûter. Je vais quand même vérifier avant ce qu'ils en disent. On peut essayer de goûter cru. Ça chauffe un peu aussi. Ouais, je commence à avoir bien froid là dehors. Utilisation, les poires de terre peuvent être consommées crues. Donc on va goûter. Bon là, je racle simplement un petit peu. Mais t'as vu comment c'est tendre ? On pourrait limite le manger comme ça. Hein. C'est pas. Enfin moi personnellement, je m'embête pas toujours, même avec un peu de terre qu'il y a dessus. Dans mon jardin, a priori, il n'y a rien de bien méchant. C'est bio. Oui, c'est bio. En fait, bio, on devrait même pas avoir à dire c'est bio. On devrait dire quand c'est pas bio. C'est normal que ce soit bio. C'est quand on met quelque chose que c'est pas normal. On peut déguster. Alors, c'est très juteux, déjà. Je m'attendais pas à ce que ce soit juteux comme ça. Il y a une espèce de petit goût, je trouve, entre cornichon, noisette. C'est un goût qu'on connaît pas trop. Même un petit goût poivré aussi. Tu as sorti un premier livre. Ça serait, si tu devais conseiller quelques lectures aux gens qui nous écoutent, tu conseillerais quoi ? Je conseillerais tout ce qui peut les cultiver, et pas que des trucs du jardin. ça, c'est les guides que j'ai. Alors, les guides je sais que celui que j'ai sur les champignons, par exemple, là, il est vraiment bien. Celui de courte cuisse. Après, moi, j'ai un manuel de culture sur but. Ça, c'est un des premiers que j'avais pris, justement, pour voir certaines techniques. L'intérêt de ce livre, c'est plutôt qu'il va y avoir des exemples sur la durée de qu'est-ce qu'on peut planter dans les buts, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble, parce que bah, les plantes, il y en a qui s'aiment bien, il y en a d'autres qui s'aiment pas. Hein, c'est comme les humains. La première année, j'ai voulu tout contrôler et je me suis rendu compte que si Joseph y arrive très bien, mais moi je contrôle pas tout. Et puis souvent, j'avais prévu de mettre telle chose à tel endroit, j'avais fait moi aussi des plans, des choses et tout. Et puis en fait, au final, il y avait des trucs qui sortaient pas, donc je mettais autre chose à la place. Et puis c'est devenu un petit fourre-tout. Ça respectait pas complètement les plans que j'avais prévus au départ. Et c'était pas plus mal en fait. Je pense qu'il faut mesurer au départ ce qu'on fait. Ça sert à rien de vouloir trop faire d'un coup, parce que sinon, on fait pas. Donc je conseille de commencer par petit. Vous inquiétez pas si vous mettez pas les légumes bien où il faut, si la fraise est pas à côté du poireau, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Un des défauts de l'humanité, enfin de l'homme en général, je pense, c'est que on réagit trop vite à ce qui se passe et on veut toujours tout contrôler. Belge audio. Alors qu'en fait, quand on laisse un petit peu faire, les choses s'équilibrent souvent d'elles-mêmes. Ah non, binge. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Si vous voulez nous soutenir, on sera très heureux. Nous avons une page Patreon. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bonplan au pluriel.com. À dans deux semaines.